President, please be seated. Le président. Veuillez vous asseoir. The court is now back in session. Reprise de l'audience. And the bench would also like to put some questions to the witness. And first, I'd like to hand the floor to Judge Lavin to put questions to the witness before the floor is given to the defense team. Judge Lavin, you have the floor. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Good evening, witness. I have a few questions to put to you to try to clarify certain points in your testimony. First of all, can you tell us exactly until when you were working at what Otrokun? I do not know which month or year I was there because I was pretty much a young boy back then. Jeune garçon à l'époque. And I cannot remember which month or which year I remained in the pagoda. Où j'étais à la pagode. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quand vos fonctions ont cessé? Was it a long time before the fall of the Khmer Rouge regime, or was it just before? I remained there till the fall of the Khmer Rouge regime, that is when the Vietnamese troops entered the area. Vietnamiens arrivent dans la zone. Quand vous êtes parti, est-ce qu'il y avait encore des prisonniers au centre? Were there still prisoners in the center? I did not know about that. Je ne le savais pas. When the Vietnamese troops arrived, I ran back to my home. Quand les soldats vietnamiens sont arrivés, je me suis enfui chez moi. Quand vous avez été présent à Wat Otrakun, avez-vous eu la possibilité de vous rendre dans les différents endroits qui composaient le centre de sécurité? That, or to visit the different places that made up the security center, were you able to visit the different buildings, the différents emplacements, the different locations of the security center? No, there were not many offices. Il n'y avait pas beaucoup de bureaux. In fact, all those people were put into the main hall, and there were some people living in the main quarters, and besides, there were no other buildings. Sinon, il n'y avait pas d'autres bâtiments. Vous avez parlé des interrogatoires. Est-ce que vous avez pu voir l'endroit où les personnes étaient interrogées? Were you able to see the place where people were interrogated? I only knew the location where people were interrogated. Je ne connaissais que l'endroit où les gens étaient interrogés. I knew that interrogation location, but I did not know about the interrogation itself. Mais je ne savais rien des interrogatoires en soi. D'accord. Fine. Est-ce que vous saviez où les exécutions avaient lieu? The executions took place. They executed the people outside the compound of the pagoda. Mais est-ce que vous saviez
But did you know where specifically these executions took place? At present, if you decide to visit the location, I can tell you where it is. Vous dire où il est. And actually, the skeleton remains are stored in a stupa in the pagoda. D'ailleurs, stockés dans un stupa à la pagode. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous pouviez faire et ce que vous saviez à l'époque où vous étiez en fonction à Wat Otrakun. Est-ce qu'à l'époque, vous saviez où avaient lieu les exécutions? As I stated, the execution was carried out in front of the compound of the Otrakun pagoda. Devant l'enceinte de la pagode de Otrakun. Comment le savez-vous? How did you know that? Because at the present, I'm living nearby the vicinity j'habite non loin de là, where the execution was non carried loin out. De l'endroit où les exécutions avaient lieu. I did not see the execution Je n'ai pas été during témoin the regime, des exécutions sous le régime. But I know it at present time, and I also know that some people who lost their family members go there to pay respect to the lost soul, and the location was near the pond. Rendre hommage à l'âme de ces personnes, et c'était non loin de l'étang. Monsieur le témoin, je dois avouer que je ne comprends pas très bien. Confess that I don't really understand very vous well avez what dit, you're saying. Me semble-t-il, tout à l'heure, said, que vous n'étiez earlier, jamais that you had revenu never à gone Wat back to Wat Otrakun après avoir quitté after having left that place où vous exerciez ses fonctions de gardien. Where you were Donc, je guard. Ne comprends pas très so bien I don't les connaissances que vous avez pu avoir how you obtained that knowledge postérieurement. After paraît qu'il you y a left. Une contradiction. So there Mais is some kind of contradiction here. But especially, I'd like to read out to you un extrait an excerpt de votre procès-verbal from your WRI document E319/19.3.93. Il s'agit de la question-réponse 77. On vous pose cette question. And the following question is put to you. Pourquoi vous était-il possible d'assister aux interrogatoires et exécutions des prisonniers? Par quel moyen avez-vous pu assister à ces scènes? Réponse. Je pouvais circuler dans tous les coins à ma guise. À chaque fois que je me rendais sur le site d'exécution ou le centre d'interrogatoire, c'était toujours avec mon chef. I always went there with my chief. Ça me paraît être une description des positions so relativement claires. Seems to be relatively clear testimony. Vous vous souvenez so today, do you d'avoir fait having cette déposition? Made this Est-ce testimony? Que cette déposition est and, exacte? And is this testimony true? I do not have anything else to add to my Je previous statement. À ma déclaration I was not précédente. In a position to visit the location. Je n'étais pas en mesure de me rendre à ces endroits. What I noticed was that people were J'ai detained there for a few days and they disappeared. Jours et que par la suite ils and then I
asked the people, I was told that they were taken away and executed. But personally, I did not walk to that place. Je ne me suis jamais rendu à cet endroit. I was a young boy and I was scared to go there, and I was also afraid of a ghost. J'avais aussi peur des fantômes. Vous avez dit tout à l'heure quand vous avez demandé d'apporter de l'eau aux prisonniers. That you were asked to take water to the prisoners. Where exactly did you take the water to? Brought the water through was not far from where I stayed. In fact, I was asked to take the water to my chief's place. It was just from one man's residence to another man's residence. And in fact, the man's residence was located behind the main hall. Le bâtiment principal, la salle principale. So I can say that the distance between Donc the main hall and the main residence was not that far. Des moines de la salle principale n'était pas très grande. À qui avez-vous apporté de l'eau? À votre chef Who ou did you prisonnier? Give the water to? To your chief or to these prisoners? I was asked to bring the water to the deputy chief because the chief was not there. However, when I was at the chief's house, I was called to fetch the water for the deputy, and after I left the water there, then I returned. And usually, when the chief was not in, I would stay and watch his residence. Et je surveillais sa résidence. Quand vous avez apporté de l'eau, avez-vous vu des prisonniers? When you brought the water to that person, did you see any prisoners? Stated from the outset, when I took the water there, it was the time that the prisoners were tied up and let out. C'était au moment où les prisonniers étaient ligotés et emmenés. Et les prisonniers, ils étaient où exactement? Ils étaient And là où était l'adjoint du chef, là où était le chef, ils étaient dans la salle principale, ils étaient deputy où? Deputy chief was, or where the chief was, were they in the main hall? Where exactly were they? The deputy chief was in charge of the prisoners, and it was him who would issue instructions to the executioners. I myself did not know anything about these instructions, as I mainly stayed with the chief, and when the chief was not in, then I would stay at his house to guard his house, or I would go with him to the military bases at the commune, that is when I accompanied him there. Monsieur, je vous demanderai de répondre précisément à mes questions. Please answer my questions precisely. When you brought the water, where were the prisoners? Did you see any prisoners? And if yes, where? Prisoners were in the main hall. Les prisonniers étaient dans la salle principale.
Donc vous les avez vus dans la salle principale. So you saw them in the main hall. Vous êtes rentré dans la salle principale? Did you get inside the main hall? I was not allowed to enter the main hall. I needed to have authorization from the deputy if I were to enter the main hall, although I was working for the chief. Même si je travaillais pour le chef. Je comprends pas, monsieur. I do not understand you. Vous avez vu à travers les murs? Did you see the prisoners through the wall? Comment pouvez-vous dire que vous avez vu des prisonniers si ces prisonniers étaient dans la salle principale et si vous n'aviez pas la possibilité de rentrer dans la salle principale? In the main hall. If you are not able to enter the main hall, how then could you have seen the prisoners? I was standing outside the main hall, and in fact, they put a partition in the main hall where female soldiers were detained at one side, and there were windows where I could see through. Par lesquels je pouvais voir. The female prisoners were detained at where the Buddha statue was. While the male prisoners were detained at the other side of the partition. De cette séparation. And that's how I could see them. Et c'est comme ça que j'ai pu les voir. Bien, donc vous les avez vus par les fenêtres. Very well. Vous avez you également dit que si vous n'assistiez pas aux exécutions, vous remarquiez que le lendemain, ces gens avaient disparu. Donc ils avaient disparu de la salle principale. They disappeared from the main hall. Did you go back past in front of the main principal hall, such as to see that people had disappeared by that time? No, I did not see them because after that the situation was quiet and there was a reduction of a gruel for prisoners. Usually they would cook a gruel in a large pot, but when the prisoners disappeared, they only cook it in a smaller pot, and I made my personal conclusion that they were sent away and executed. Bien, on a parlé de la salle principale. Si j'ai bien compris, il y avait une partie où les hommes étaient détenus, if I understood correctly, there was a part in which men were detained, another section in which women were detained. Can you tell the chamber approximately how many detainees there were in that main hall? It is my estimation that there were a lot of detainees, but I cannot tell you exactly how many there were, as I did not have any role to be there. Est-ce qu'il vous arrivait, monsieur, de voir des cadavres à Wat Otrakun? Did you ever see any bodies at the Otrakun Pagoda? No, I did not. No. Only after the fall of the regime, people went to dig up the graves to search for gold.
ouvrir les tombes pour chercher de l'or. But by that time, I had not moved to leave near the area. Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore déménagé pour aller habiter près de cet endroit. But I heard people telling one another that they dug after the grave pits and found some gold. Que ils avaient ouvert les fosses et qu'ils avaient trouvé de l'or. Skeleton remains there, and that the skeleton remains were dug up and stored. Et donc les cadavres ont été retirés de la terre et ont été entreposés. Vous avez également parlé, me semble-t-il, tout à l'heure, it appears de that 30,000 you also victimes. Made mention of 30,000 victims. Did I properly understand your testimony? I am not sure whether the exact number was 30,000. However, at the stupa where they stole the skeleton remains, there is a writing there that the skeleton remains of more than 30,000 bodies. I did not know how they arrived at the number, whether through statistics or through counting of the skeleton remains. Ils ont compté les ossements. D'accord. Very well. Vous avez également parlé tout à l'heure d'une plantation de manguiers. You also made mention of a mango plantation. Vous avez planté des manguiers à un endroit où des cadavres avaient été mango enterrés. Trees had been Est-ce que vous savez quand ces manguiers ont été plantés? Had been qui les a plantés? Do you know where the mango trees were planted and who planted them? Đám đám xoài nó cứ một chát đầy kề đồng nai và kề đồng The area was transformed into mango plantation by the owner of the land there. De manguier par le propriétaire foncier de là. They planted various other vegetables, including banana and lime trees. Et des arbres larmes. Because the land previously belongs to the landowner there and it will pass on to their children. Et a ensuite été hérité, dont les enfants ont ensuite hérité. Bien, en tout état de cause, cette plantation well, n'est pas survenue au moment où vous étiez en fonction that plantation wasn't there at the time when you were working at the Otwakon Pagoda, was it? When I saw from a distance, there were some trees there from a long time ago, including banana trees and Rebecca trees. J'aimerais que vous me disiez si vous connaissez I would like la commune d'Ankorban. Whether you know Dakoban commune, Ankorban commune, I beg your pardon. That's cool. Yes, I do. Oui. À l'époque du Kampuchea démocratique, during the period of est-ce que vous connaissiez Kampuchea, les cadres qui étaient en charge de la sécurité know à the Ankorban? Cadres who were in charge of security at Ankorban? Yes, I do. Oui. But at present, I do not know where Mais he is. Aujourd'hui, je ne sais pas où il est. During the regime, he was at Ankorban commune. Sous le régime, il était dans However, la commune I did not know Cependant, where he went after the fall of the Pol Pot regime. S'est passé après la chute de Pol Pot. Est-ce que vous vous souvenez de son nom? Do you remember his name? Yes, I do. Oui. And as I said, his name is Kuhn. Kuhn, comme je l'ai dit.
Nous avons entendu, c'était le 14 septembre 2015, on the 14th of September 2015, a witness testified before this chamber, Teng Srun. Je ne sais plus son pseudonyme. I do not recall his pseudonyme. Mais qui parlait pseudonyme. D'un nommé Run. That witness talked of qui aurait été person le chef de la sécurité d'Angkorban. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Chief of security at Angkorban. Does that ring a bell to you? No, that name doesn't ring a bell to me. And as I said, during the regime, I spent my time with the chief, and if there was a communication between the chief and the chief, they would do it amongst themselves, and I would not know the content of their meetings. And of course, I did not know who was the chief of the commune military, for instance. Avez-vous assisté à des réunions qui auraient été présidées par Khan, supposedly chaired by Khan and Un? Ho, chaired by Khan and Ho. I answered to that question already. In fact, I did not witness their meetings. The meetings amongst the chiefs. I followed them, but I did not attend any meeting. Je ne parle pas d'une réunion entre les chefs. I am not talking of a meeting qui a été organisée par les gens pour les gens des coopératives, les gens du public, du district. Est-ce que vous avez assisté à une grande réunion présidée par Khan, le chef du district? No, I did not. Non. Bien, je vous remercie, Monsieur le témoin. Je n'aurai pas d'autres questions à vous poser. Very well, thank you, Mr. Witness. I have no further questions for you. Bah, open, Judge Lavergne. President, thank you, Judge Lavergne. Président, je vous remercie, Juge Lavergne. The chamber now would like to hand the floor to the defense teams. First, to the defense teams for ONG to put the questions to this witness. You may proceed, counsel. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Mr. Witness. Bonjour, Monsieur le témoin. I only have a few questions, not very many, this afternoon. My first question. Ma première question porte your date of birth. Sur votre date de naissance. What you said today is the 7th of June, 7th of June 1967. Is that correct? 1967. Est-ce que c'est exact? Yes, that is correct. Have you ever heard? Avez-vous jamais entendu? Have your parents ever told you? Vos parents vous ont-ils jamais dit? Your date of birth was another day than the 7th of June 1967. Était un autre jour que le 7 juin 1967. In fact, that date of birth was given to me by my teacher when I wanted to enroll as a civil servant, and for that reason I maintained that date of birth since. C'est pour cela que j'ai gardé cette même date de naissance. And do you know how your teacher? Question: Et savez-vous comment votre enseignant
on which documents or which sources your teacher based himself. Document votre enseignant s'était basé. When he gave you that lorsqu'il vous a donné cette date de naissance, is there any source that he used? Do you know? Y a-t-il utilisé une source quelconque, le savez-vous? I did not know. Réponse, je ne le savais pas. Because usually when my parents took me to enroll in a school, général, I believe it was my parents parents who told the teacher of my year of birth, je pense date of birth. Mes parents qui y ont donné ma date de naissance. So am I question. To conclude there is donc, no misunderstanding? Conclure qu'il n'y a you pas were de malentendu. Vous êtes on the 7th of June 1967, le 7 juin 1967. Correct? C'est exact? Yes, that is correct. Let me move on to the next topic. Question, the moment that you started un autre sujet, mon sujet suivant, c'est le moment où vous avez commencé à réaliser des tâches pour Hon. You, if I understand correctly, brought messages, si j'ai bien compris, vous apportiez des messages people, provenant de lui à d'autres personnes. Him, vous effectuiez understand. Des menus tâches, de ce que j'ai compris. But you also called yourself, mais vous vous êtes his, également bodyguard. Désigné sous le nom de garde du corps. Your job, votre tâche était-elle to protect donc him, de le protéger, to protect him from danger, if somebody, de le protéger contre des dangers, instance, si him, par exemple quelqu'un was that venait also à l'attaquer, part of your instruction, est-ce que cela faisait partie des instructions que vous aviez reçues, ou alors him, étiez-vous tout messages? Simplement quelqu'un chargé d'effectuer des menus tâches pour lui, comme par exemple transmettre des messages? Of course, it was up to the chief to réponse. Use me for any kind of work, and I myself did not know for which task that I would be used by my chief. Quoi m'affecterait mon chef? I understand, Mr. Witness, but maybe question. It's je bien, a problem with the way the word that you used was mais translated. Peut-être est-ce un problème avec la façon dont le terme que vous utilisez a été traduit, pour moi, do not et speak je suppose pour the word de nombreuses personnes bodyguard, qui ne parlent pas le Khmer, le terme garde du corps that you had to protect veut dire Han que vous devez protéger Han that might happen to him, that you contre were, for instance, to protect ce qui pourrait lui arriver against attacks, etc. Toute attaque, par exemple, etc. Did that have Let me ask you differently. Did that ever happen? Was est-ce he ever que ça vous est jamais arrivé? A-t-il jamais été attaqué et avez-vous jamais eu à faire quoi que ce soit pour le protéger? No, that never happened. Non, ça n'est jamais arrivé. Did you ever have a military training? Question, avez-vous jamais reçu une quelconque formation militaire? No. Non. You were also not a very junior member question. Or junior cadre of the CPK. Vous n'étiez pas non plus the Communist un Party membre of Kampuchea, correct? Junior du PCK, du Parti communiste du Kampuchea. Yes. Réponse, oui. You did say that you sometimes carried an AK-47. Who question, taught you vous avez dit que parfois vous portiez use, un AK-47. Qui vous a appris à utiliser weapon? Cette arme? Uh,
At that time, we were not trained how to use the gun. À cette époque-là, on ne nous apprenait for example, pas à utiliser when une I was asked exemple, to accompany him, I would be told to get on the motorbike with him and to bring along the gun. And only at a later stage we were trained how to use the weapon, although I myself never fired a single shot. Jamais utilisé ou effectué un seul tir avec. Would it be fair for me to say that you weren't really his bodyguard in the sense that you had to protect him? Son garde du corps au sens où vous deviez le protéger, mais que vous n'étiez qu'un jeune garçon qui effectuait pour lui des menues tâches. But yes, that is correct. Oui, c'est exact. Now let me go to the beginning that you started doing jobs for Han. Je vais revenir au tout début. You said that you stopped doing jobs for him. Vous avez dit que vous avez cessé at the end of the Democratic Kampuchea regime when the Vietnamese came. Effectué des tâches pour lui à la fin du régime du Kampuchea démocratique lorsque les Vietnamiens sont arrivés. Can you be more, a little bit more exact, être plus exact as to how long et nous you dire did combien jobs de him. Temps vous avez travaillé pour lui. I wrote down that you said it was a quote-unquote brief period of time. Que vous avez dit que c'était pendant une brève période months, de temps, maybe six months. Que c'était quelques could mois, be six a little mois. More specific, or try plus to précis. Remember exactly how long it was that you did those jobs temps, for Han. Vous avez effectué des tâches pour Han. In fact, as I stated a while ago, I could not know the entire duration, although I was with him for a short period of time, and I remained with him until the fall of the Pol Pot regime. At that time, Pol Pot actually trespassing Kampong Cham province, and we were fleeing along with them when I was running back to my house. I understand, Mr. Witness, that it's a long time ago, and it's difficult for you to tell exactly how long you did those jobs for a short period. Vous avez dit que c'était une brève période, months, mais est-ce que c'était months, deux mois, est-ce que c'était trois weeks, mois, quelques semaines? Can you give me any indication, or is it pourriez-vous really nous donner not une indication ou est-ce que cela vous est vraiment impossible d'être plus précis? I believe that the period was between 5 to 6 months. Je crois que c'était entre 5 et 6 mois. Thank you, Mr. Witness. Maître Coppe, je vous remercie, Monsieur Témoin. Is it also correct for me to say that est-il également juste de dire doing jobs, small jobs, messengers jobs for Han tâches, was your comme par exemple être messager de Han, job, c'était votre seul you were travail. Not officially or c'est-à-dire formally or whatever you would like to call it, working at Otakun Security vous Center ne travailliez pas or Otakun au centre Pagoda. De sécurité de Otakun ou à la you pagode only de Otakun. Because vous sometimes là-bas Han que was there. Parce que parfois Han était là-bas. Am I stating you est-ce que c'est exact? Your evidence correctly? Est-ce que j'ai bien reformulé ce que vous nous dites? Yes. Oui. When he went to Otakun, then I would accompany him. And if he were to be at the military station or base, then I would be with him there. Je l'y accompagnais aussi. Now, would you be able to recall
how many nights in those 5 or 6 months combien de nuits vous avez passé dans le cadre de ces 5 ou 6 mois in Wat Otrakon Wat Otrakon that you were there sleeping combien de nuits avez-vous dormi maybe while Han was there at the same time. Et peut-être même do you remember how many Han était là au même moment. Vous souvenez-vous donc du nombre de nuits que vous y avez passé? At Wat Otrakon? À Wat Otrakon. Answer. Réponse. Sometimes I took a rest. I may rest there for 2 nights peut-être or 3 nights. Pouvais-je m'y reposer 2 ou 3 nuits? And they may go to the work site during the daytime for a brief moment before they returned to their sleeping quarters. Site de travail pendant un bon moment avant de retourner dans leur dortoir. Question. Just now, you slept there for 2 or 3 nights. Que vous y passiez 2 ou 3 nuits. Would that be in a larger period of a week or a month? Pendant la semaine, était-ce par mois? Can you give an indication? How many nights pouvez-vous nous dire per month une idée du nombre de nuits que vous y passiez par mois? À Wat Otrakon. Answer. Réponse. Sometimes one night. Des fois, c'était une nuit. On some other occasion, 2 nights. D'autres fois, c'était deux nuits. It depended on my supervisor or my superior, but we rarely slept within the location of Otrakon. Mais nous y dormions rarement. Did, question. excuse me. Did Han sleep mostly? Han at his own home, dormait-il surtout chez lui? 5 or 6 months that you worked for him. Dans le courant de ces 5 ou 6 mois pendant lesquels vous avez travaillé pour lui. Answer. Could you repeat réponse. Your question? Pouvez-vous répéter la again? Question, s'il vous plaît? Question. My question is trying to figure out how many nights j'essaie per month you slept. De voir combien de nuits par mois vous y passez. Mais je vais Did poser la question autrement. At Wat Otrakon sometimes in the night in a month because vous arrivait-il de passer la nuit à Wat Otrakon dans le cadre, dans le courant d'un mois donné parce que votre supérieur Han y dormait? Réponse. Sometimes I spent a night there or 2 nights. Des fois j'y passais une ou deux nuits. As I said a while ago, comme je when l'ai dit tout à l'heure, my superior was tired, quand mon supérieur était fatigué, he came back to take a rest for 1 night or 2 nights, after which he went to the military Après base. Quoi? Il allait à la base militaire. And did your, question. Your boss Han, et votre sleep chef most of the nights Han either at the military center dormait-il or surtout at his au centre militaire ou dans sa maison? Is that correct? Est-ce bien le cas? Réponse. After he returned to Otrakon Pagoda, he would quand sleep at his own home. Otrakon, he had a different house, and sometimes I slept maison. As well at his house. Il m'arrivait d'ailleurs de dormir chez lui aussi. Earlier question. This afternoon, you described plus tôt at one point at night, vous avez you saw a prisoner. Qu'une nuit, vous avez vu qu'un prisonnier avait été attaché. When you saw that, was that one of those few nights that you were at Wat Otrakon?
Était-ce dans l'une de ces nuits où vous étiez à votre cône? Ai-je bien compris? And so it was the réponse. First time that I saw it, and it was so scary for me for the first time j'ai that I saw it. J'ai eu très peur quand je l'ai vu. Let me move on to another subject now, Maître Cooper. Mr. Witness. Je vais passer à un autre sujet, Monsieur. You were asked a question earlier about the difference between, plutôt on vous a one hand, demandé d'expliquer la différence entre les hand, so-called serious offenders. Fautes légères et les fautes graves, et les about gens qui les commettaient. Donc vous souvenez-vous d'en avoir parlé? And so concerning the réponse. Light offenses, donc à propos des fautes légères, they may have been the offense of stealing sweet potato or qui avait volé some food to eat, ou de la nourriture à manger. My younger brother was about to be arrested. Mon frère cadet d'ailleurs était sur le point during d'être arrêté. The time that the pig he raised was scrubbing the soy, and the sweet car potato came out of the ground. Le sol et une pomme de terre douce est sortie du sol. So my younger brother, he was about to be arrested, and this might have happened to the elder people as well. Et donc peut-être que cela s'est produit aussi chez les adultes. But the distinction question. That you made just now, oui, and also in que your, vous aviez fait, que your statement vous avez fait tout à l'heure, et aussi dans la déclaration que vous avez faite aux enquêteurs, cette différence donc. That you heard in relation to the incident of your brother. Est-ce quelque chose que vous avez entendu à propos de votre frère, ou était-ce cette différence donc entre ceux qui commettaient les fautes graves et les fautes légères? Est-ce donc quelque chose que vous aviez entendu par ceux qui travaillaient à Wat Otrokun? Answer. Réponse. I was not so aware of the so-called light and serious offenses for younger people. They may have been less serious for them. Peut-être que and c'était moins grave pour eux. We were warned not to try to pick up bananas from the tree. D'aller les cueillir plutôt dans les arbres. The vegetables that we grow at home et sometimes were not allowed to pick up to eat. Chez nous, so nous what n'avions pas le droit de you can imagine what would happen donc if we got and pick up all those vegetables si nous to cueillir eat. Les légumes. I understand your answer is question. Clear to oui, me. Je comprends votre réponse, elle Mr. est claire Witness, but à mes oreilles. The matter of serious offenses versus cette question, light offenses la différence entre les fautes graves et les fautes légères, you knew cette différence, notwithstanding your knowledge of what Otakun, is that correct? It's a difficult vous question. Vous la connaissiez, sorry. Mais à l'extérieur du contexte de Wat Otrokun. Je sais que la question est un peu compliquée. Answer. Réponse. I did not know at that time what kind of à l'époque, offenses je made ne those pas people sent to quelle Otrokun Pagoda. It was within the report of those who were in charge of c'était that described about the offenses committed by the arrestee. To my knowledge, the mobile unit took those people into Wat Pagoda, and people pagode, would be placed in that pagoda for pagode, about 1 week. Il restait pendant une semaine, and
some people would have been placed within the center for 1, 2, or 3 weeks due to the theft of picking up si elles avaient jackfruits and other fruits. And I secretly asked the people who were aware of the situation, and I was told that the offenders stole jackfruit and other fruits to eat. That's why they were arrested and placed in the center. Et c'est pourquoi elles avaient été arrêtées et envoyées au centre. Thank you, Mr. Witness. Un peu, merci, Monsieur le témoin. Now, to me, it's crystal clear that you never actually witnessed any execution. Il est donc parfaitement clair pour moi que vous n'avez jamais été témoin d'exécution à Wat Othoukoum. Have you ever heard before 7 January 1979? Avant le 7 janvier 1979, ou après? Who of the security people at Wat Othoukoum might have been involved in the execution of people? Qui était parmi les membres du personnel de Wat Othoukoum qui avait peut-être participé à des exécutions? Autrement dit, parmi les gardes que vous avez peut-être vus à Wat Othoukoum auraient pu participer à des exécutions alléguées? Witness, it's a lengthy question. I could not get the gist of it. Je n'ai pas vraiment compris. I apologize, Mr. Witness. Have you ever heard names of people who worked at Wat Othoukoum who might have been involved? Personne qui travaillait à Wat Othoukoum qui aurait possible executions. Possiblement participé à d'éventuelles exécutions. Des noms de personnes. Answer. I have heard people made mention of their names. Certaines personnes les ont names of those who killed people. However, the killers died, were all deceased now. Sont tous morts. And was this question. Something that you heard after 1979? Est-ce quelque chose que vous avez su après 1979? Answer. It was répondre. After the fall of c'était the après regime, la chute du régime that I heard. C'est après que j'en ai entendu parler. Understand that Juan died already. Il y avait une personne, elle est morte. Nowadays, I know that some of those people de ces personnes are deceased. Sont décédées. And I am assigned to teach students at Othoukoum Pagoda or in the neighborhood, and I know that those people are all deceased. Dans les environs de Wat Othoukoum, et je sais que ces personnes sont aujourd'hui décédées. And then another question, Mr. Maître Coppe, j'ai une autre question à vous poser. You were asked at one point in time a question about vous vous a posé la question suivante. Possibly might know comment auriez-vous pu savoir que les prisonniers étaient Cham? And then you said that you did not vous avez répondu see them or hear them being asked les, questions about vous n'avez pas vu qu'on leur avait posé des questions au sujet but de leurs antécédents. You asked people working in the kitchen. Mais vous avez dit que vous avez posé la question can à des gens qui travaillaient au réfectoire. How people in the kitchen la cuisine. Pouvez-vous nous dire comment les gens à la cuisine auraient bien pu savoir quels étaient les antécédents des prisonniers? In fact, réponse. I did not know when they were there
I was quite young at the fait, time, pas, and quand ils étaient là, très jeune à l'époque. Sometimes chit-chatted with others at that location. Avec les gens qui étaient là. The place, something happened at the place, and I was scared. Il y avait des événements qui se produisaient à cet endroit, et moi j'avais peur. Thank you, Mr. Witness. My last question. Ce sera ma dernière question. Do you recall having said something about a possible sexual offense of d'un délit d'ordre sexuel someone within what Otokun called bot? De quelqu'un à Wat Otokun qui s'appelait bot. Answer. I learned about it from the chef within the chef kitchen's house. Dans la cuisine, the le cuisinier qui me l'a dit. Long sword group. That, le cuisinier du groupe des longues épées. In fact, Bot was the deputy en fait, Bot chief était le chef adjoint sous Horn. And that person Bot fell in love with the female cook. Tombé amoureux d'une cuisinière. Rather, with a female, and that plutôt, female went avec to une tombe amoureux d'une femme. Confide in the female cook. Et cette and personne l'a dit on, à la cuisinière. Horn learned about that, and l'a su. Bot was arrested. Et Bot a été arrêté. The deputy chief under Horn. Le chef adjoint sous Horn. Raped. The female violé, I have just mentioned, bon, and parle. That female confided in the female cook, and later on, Horn learned about Horn, the matter, vent. And what, together with the female, were taken away and executed. Ils ont emmené Bot et la femme et les ont tués. I presume that you haven't actually witnessed this execution. Je tiens pour acquis que vous n'avez pas été témoin de l'exécution de Bot et de la femme prisoner, correct? Et de la prisonnière. Ai-je raison? Answer. Réponse. There was a female. That female was considered the person who committed the offense. Et on a considéré que c'était la femme qui avait commis la faute. I understand, Mr. Witness, but Coppe, you, oui, je comprends, you said monsieur le témoin. Both Bot et vous avez dit que Bot et female prisoner were taken away prisonnières ont été emmenées et exécutées. My question to you et la question you que je vous pose, c'est avez-vous été témoin de cette exécution de Bot et de la prisonnière? Answer. I did not witness it je n'en ai pas été myself, je ne l'ai pas vu but de mes yeux. I learned that Bot had been j'ai arrested, su que Bot and avait été arrêté. I no longer saw Bot et after je that time. Plus jamais vu Bot à partir de ce moment-là. It was presumes that someone died after the arrest. On présumait que quelqu'un mourrait après l'arrestation. Maître Coppe, merci beaucoup, monsieur le témoin. Merci, monsieur le président. Le président. President, thank you. The floor is now given to the defense counsel for Mr. La Chambre laisse à présent la parole à la défense de Kusson. You have the floor now. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Bonjour, Monsieur le Témoin. Good je m'appelle afternoon, witness. My name is Anta Gissé. I am the co-international counsel of Kusampan. And it is in this capacity that I'm going to put a few complementary questions to you. Tout d'abord, je voudrais first essayer of all, de I would like to try trouver quelques repères temporels. Je sais bien find que a few les faire temporal remontent à landmarks. I know that the facts vous souvenez plus exactement des dates. Quite far. And I know that you don't remember the dates, but I'm going to try to put questions to you so that you can kind of give me a time frame.
frame. Vous êtes originaire de, du village de Anlong Ak. You hail from Anlong Ak. Anlong Ak. I understood. Pour la prononciation. I apologize for the pronunciation. So that is your native village. Am I right? Bah, but answer, yes, that is correct. C'est exact. Tout à l'heure, earlier, vous avez indiqué you said, que that, juste avant l'arrivée des Vietnamiens, vous avez fui arrived, dans votre village d'origine. Est-ce que c'est dans ce village, village. So de Anlong Ak que vous avez fui lorsque vous informez de l'arrivée des Vietnamiens? Answer, yes, I fled to oui. My home village. Je me suis enfui vers mon village natal. Ma question est donc de savoir, so my question, juste avant votre fuite vers votre village natal, just before you fled to your à quel endroit village, est-ce que vous étiez stationné were you et quelle était votre fonction juste what avant were cette fuite-là? Est-ce que vous étiez fled, encore were you still à la pagode d'Otrakun ou est-ce que vous étiez ailleurs? Pagoda, or were you elsewhere? Answer. I fled to my birth village after the arrival of the Vietnamese troops. So everyone were on their own way to their chacun locations after we learned that the Vietnamese came into the quand country. Nous avons su que les Vietnamiens avaient after we learned about that information that the Vietnamese came to help us, went back home and everyone fled to different directions. Et les gens se sont enfuis dans toutes sortes de directions. J'avais bien compris ce point, monsieur le témoin, mais ce n'était pas witness, ça ma question. Ma question était, question au moment où vous avez appris l'arrivée des Vietnamiens, à quel endroit vous situez-vous? Where avant were de retourner you à votre village natal, quand vous apprenez la nouvelle, village, vous êtes où exactement? News, where were you exactly? Answer. I fled from Biem Chi Gong region, the place where I learned that Vietnamese were coming into the country. Que les Vietnamiens entraient dans le pays. Everyone that persuaded each other to go back home after we learned that information. I did not go anywhere else with other people. I was missing my house and also my mother at the time. Ma maison et ma mère me manquaient à l'époque. Je vous demande de faire vraiment très attention. J'essaie please de poser des questions really précises. Please pay attention to what I'm saying. I'm trying to put vous very specific questions to you. Vous you étiez à Biem Chi Gong. You were at Biem Chi Gong. Ma question précise. So my specific question est donc is, maintenant de savoir now, est-ce que vous étiez au sein de la pagode d'Otrakun au moment où vous avez entendu la nouvelle de l'arrivée des Vietnamiens? Est-ce que vous étiez encore affecté à la pagode? Assigned to the pagoda. Answer. At the time, I was not stationed at Otrakun Pagoda since Horn ordered the troop to be stationed to counterattack with the Vietnamese troops, but it was in vain, and the soldiers were dispersed into different directions. And at that time, not so many soldiers could resist the Vietnamese. So we decided to return to our respective houses. And the person you mentioned went to his house as well. And everyone pretended that they wanted to go and relieve themselves, nous but actually we were trying to flee. Nous avons en fait cherché à nous enfuir. Thanks to the liberation. Grâce à la libération. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un problème de traduction parce que vous évoquez une personne que j'aurais évoquée. Dans ma question, je n'ai parlé de personne. Est-ce que vous pouvez me dire si vous parlez de Hong? Est-ce que c'est Hong qui a fui également? Is it Hong who also fled?
Answer. At the time, we pledged all together, but two different directions. Dans des endroits différents. Vers des endroits différents, plutôt. Everyone said that they wanted to go and relieve themselves, but actually they wanted to separate from their superiors and fled to other places they wished to go. Vers, là où ils voulaient aller. Est-ce que je dois comprendre que au moment où vous apprenez l'arrivée imminente des Vietnamiens, vous êtes encore au service de Horn? You were still working for Horn. Bah, no. Yes, I was working still with Horn. Je travaillais toujours avec Horn. For one or two days before I fled. Avant de m'enfuir. Perhaps I was working for him for the last two days, and the situation became intensified. La situation a empiré. And at that time, the soldiers of the Khmer Rouge were becoming smaller, and then we had the opportunity to flee. Et donc, nous avons eu la possibilité de nous enfuir. D'accord, donc pour en revenir à la question de la période de laquelle on parle, quand vous avez indiqué, répondant d'abord à monsieur le coprocureur et ensuite à mon confrère Victor Copé, quand vous dites que vous avez travaillé pour Horn environ 5 à 6 mois, est-ce que nous sommes d'accord que c'est les 5 à 6 mois avant la fin du régime de Kampuchea démocratique? Nous sommes d'accord pour resituer cette période juste avant la fin du régime. To situate this period just before the end of the regime. Bah, mon answer, yes, that was before c'était the avant end of the regime. La fin du régime. Je voudrais maintenant en revenir now à une autre période. Period. Répondant à monsieur le coprocureur, when vous aviez parlé you spoke de about deux affectations. Two une première assignments. Dans une unité the first itinérante in a mobile d'enfants unit, a children's mobile unit, et une deuxième and the dans second, une unité itinérante in a mobile unit that was attached to the dans laquelle district, il y avait plutôt des personnes âgées de 20 à 30 ans. In which, est-ce que vous vous souvenez the people avoir were generally évoqué aged ces deux between 20 and 30. Unités so do you remember having spoken about avec both of these units to the co-prosecutor? Answer. The children units were stationed within l'unité the des commune. Enfants était dans la commune. And later on, there was an issue with that children par unit, suite, and people within that unit were hated. So I was assigned and removed to another unit together with unité, a donc été person. Transféré pour aller travailler avec quelqu'un. And when I was assigned to the children unit donc, within the commune, the work was not so comparatively hard. I had to go and find rats and also to do some light work, namely carrying des travaux légers comme transporter de la terre. Excusez-moi, monsieur le témoin, on Mr. arrive bientôt Witness. À la fin de la journée, mais je vais I vous demander vraiment, 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 vraiment de faire attention day, aux questions que je vous tired, pose. Je vous pose des questions like précises qui ne nécessitent pas forcément des réponses longues. Et j'ai parfois l'impression que vous n'entendez sometimes pas bien mes questions. I have the donc, je comprends de votre réponse que vous vous souvenez avoir parlé de ces deux unités avec monsieur le coprocureur. Je voudrais donc d'abord m'intéresser à la première unité, l'unité des enfants. I am particularly interested est-ce in the first que vous vous souvenez unit of cette children. Unité des enfants au sein de la commune? Do you remember en quelle année the vous avez commencé for à travailler in the and do you remember in dedans, what year au sein de cette you unité? Est-ce que vous en souvenez? That unit, if you do remember. Answer. I do not remember je when ne m'en I worked pas. In. I started to je work pas in quand that j'ai children dans cette unité unit within the commune. De la commune. I
cannot recall when I was assigned to be part of that unit within the unité dans la commune. Vous avez évoqué avec Monsieur le coprocureur. In answer to a question put to you by the co-prosecutor, une arrestation de Cham au sein de l'unité. Mais je n'ai pas compris si cette arrestation est intervenue lorsque vous étiez à l'unité des enfants ou lorsque vous étiez à l'unité itinérante du district, là où il y avait des personnes qui avaient entre 20 et 30 ans. Est-ce que vous pouvez préciser dans quelle unité a eu lieu cette arrestation de Cham? Clarifiez ce point et dites-nous dans quelle unité les Cham ont été arrêtés. Answer. It happened so when I was part of the district mobile unit. Je faisais partie de l'unité mobile de district. Je vous pose cette question et ce sera ma dernière de la journée, Monsieur le Président, parce que je vois effectivement leur tournée. Donc lorsque Monsieur le coprocureur utilisait le mot enfant pour dire des personnes qui ont été arrêtées, vous parliez de personnes qui ont été arrêtées, qui avaient entre 20 et 30 ans. Est-ce que je dois bien comprendre votre déposition? Should I understand that that is what you meant? Persons aged between 20 and 30 arrested. They were youth. C'était des jeunes. And I cannot tell you why we considered et them youth and what old were they to be considered as a youth. Quel était l'âge à partir duquel ou en dessous duquel on les considérait comme jeunes? Mais nous sommes d'accord que ce n'était pas des membres d'unité des enfants. We do agree that these were not members of the children's unit. Answer, they were not children. Ça n'était pas des enfants. Monsieur le Président, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Mr. President, I have no further questions for today. Bah, aucun. President, thank you. It is now time for the adjournment. And the hearing will resume tomorrow on Tuesday 12, January 2016 at 9 a.m. Tomorrow, the chamber will continue hearing witness Muy Vanny and then start to hear 2TW988. Please be informed and on time. Thank you, Mr. Muy Vanny. The hearing of your testimony as a witness has not come to a conclusion yet. You are therefore invited to come here and testify once again at 9 a.m. Court officer, please work with a vessel to send Mr. Muy Vanny together with the reserve witness to TCW988 to the place where they are staying now, and please invite them back into the courtroom at 9 a.m. Security personnel are instructed to bring Mr. Kizumpon and Nunchia back to the ECCC detention facility and have them returned to the courtroom tomorrow before 9 a.m. The court is now adjourned.